Là, hello tout le monde et bienvenue pour la suite de nos aventures. Alors, pop, 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 catégorie. Comme d'hab, on change ça. Alliance, Alien Fartium. Pop, 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 ça c'est bon, ok. Lights a go. C'est bon, le chat est là. Nous allons pouvoir buter de l'alien. Alors, on avait brioriquement, ça se dit. Nous avons réussi le chapitre 1. L'acte, le chapitre 1 de la mission 1 de l'acte 4 avec succès. Nous allons pouvoir continuer de voir ce que nous réserve l'antre de cette ruche. Oh oh oh! Alors, j'ai bien choisi la bonne, hein? Ah voilà, non. Va tester, ouais. Faut que je monte ses armes. Bah, tu sais quoi? Je pense que des petites mines comme ça fait pas de mal. Ouais. Faudrait que j'ai su la monter. Ouais, je vais prendre démolisseur. L'avantage, tout est bon, tout est blindé. Hop, let's go! C'est parti! L'équipe bleue a réussi à passer les derniers synthétiques de sécurité de Katanga, mais une fois arrivé à la ruche des xénomorphes, le contact radio a été coupé. Vous devez aller les chercher. Eh bien, mission de sauvetage. Wow! Hey, salut Léo! J'espère que tu vas bien. Alors, t'es revenu me voir souffrir finalement? Vous aimez voir ça? Sachez qu'ici aujourd'hui, il n'y aura pas de pleurniches, pas de discours victimaire, il n'y aura que de la win. Est-ce que c'est clair? Bon, bah, au plaisir, hein. J'espère que tu vas te faire plaisir. Je découvre là le niveau 2 du dernier chapitre. Donc je ne sais pas où sont cachés les ennemis, je ne sais pas où sont les screamers, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend, je ne sais pas quel genre d'objectif je dois remplir. Ça va être la catastrophe. Oh la vache. En plus là, comme tu peux le voir, la déco, nous sommes vraiment à l'intérieur d'une ruche, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là? J'aime entendre sa voix déterminée. Mais oui, qu'on va y arriver. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne sais pas quel genre de danger nous attendent. Je ne sais pas où vont être positionnés les rôdeurs, s'il va y avoir encore des œufs. Oh! Oh, GG! GG le bot! Je sais pas à quel point faut que j'économise mes munitions. Bon là j'ai pris une classe un peu démolisseur, c'est un peu le Rambo. Mais quand même. Regarde sur les plafonds les petits fourbes. Oh ça fule. Et en plus, ce genre de jeu, plus t'attends, plus t'es lent, plus il te remet des ozordes dans la face. Donc c'est. Ah, ah tiens. Ah. Donc tu perds plus de balles. Ouh, ça arrive derrière. Oh, les acidulés!
coup, ça queen. Est-ce que vous entendez, mon cher, comment ça queen, là? J'aime l'odeur de l'alien carbonisé dès le matin. Alors, est-ce qu'il y a des petits trophées à ramasser? Tiens, voilà. Hop. Généralement, ils sont... J'aime bien quand ils te mettent un petit peu, faut explorer, quoi. Faut pas faire que de la ligne droite. Faut trouver les petits secrets, là. Ça, généralement, c'est des petits journaux audio. Oh, oh, les œufs! Oh my god, vu! Oh, va falloir vraiment faire gaffe où on met les pieds, là. Hein. Parce que courir n'importe où, là, ça va pas le faire. Ah, préparez-vous au combat. Ou des balles! Oh les œufs! Attends, je vais analyser un peu la zone. Si j'étais un alien, où est-ce que je poperais? Ah bah tiens, regarde! Il y a des trous ici. Oh les petits neuneux! Les escaliers, c'est obligé. Ouah! Il y a des trucs qu'il faut pas regarder, hein. Hop. Bah écoute, j'espère que ça sera suffisant, hein. Sinon, paix à mon âme. Je suis sûr que ça va déglinguer du... Ah, je sais pas. Je vais essayer d'en mettre un peu ici. J'aimerais juste me faire les escaliers en zone de repli. Ça me fait un peu peur, là, vu la configuration du terrain. Ah non, je peux même pas monter plus haut que ça. Hein. Bon. Eh bien, let's go. Où est-ce qu'ils vont popper? Ouh, il a pris cher, lui. Ouh, mais je l'aime, ce lance-roquette. Mais c'est génial! T'as l'air encore un là? Hop! Des balles! Ah désolé les copains. Oh, oh les spitters. Voilà. On va pouvoir avancer. Allez coucher là. Attends, hop. Non, c'est bon, le son c'est bon. Alors. Oh. Oh, ça feule encore. Il est encore dans le coin. Oh les petits fours, regarde dans le dos. Oh.
Découper la porte. Oh là là là, ça va arriver dans le dos. C'est bon? C'est vraiment serré les petits couloirs là. Est-ce qu'on se croirait comme des petites tardines? Mais c'était obligé! Ah là 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 là! Ils sont partout sur les murs. Ah bah oui, hein. Tiens, il y en a un autre là. L'art de se mettre devant ses potes. Ah bah voilà. Ah voilà. Merci le bot qui sert à rien. Oui, m'énerve. Wow! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh la vache! Ah, laisse-moi passer! Oh merci le lance-roquette! Kinder Bueno tout ça. Hein. C'est bon, y a rien ici. Oh, il va défoncer ma barre de vie. Je sais que le public croit en moi. Je vais réussir du premier coup, sans pleurer, sans faillir. Oh là là. Oh, j'aime pas ces bruits visqueux. Ah! C'était un cri très viril. Ah! Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? Rien? Rien à détruire? Non. Attention les petits trous là. Oh, oh là là. Ça feule encore. Ça arrive d'où? Ça m'arrive dans le dos en plus, je crois. J'ai tellement peur d'avoir un rôdeur sur le coin des fesses là. T'as bien là, toi. Voilà. On vous a vu, messieurs. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ce que j'entends. J'aime pas ce que j'entends. Là 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 là. Oh, putain, on les voit. Ils arrivent par où? Oh, les salauds! Ils étaient tout discrets là. On les a vus rampouiller sur les murs.
contre, est-ce qu'il y a un petit truc en bas? Attends. Est-ce que mon objectif, il est là? Ouh, il y a encore des trucs. Oh! Aïe, 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 aïe. Ou est-ce qu'il va falloir que j'augmente, que je change à chaque fois d'un étage? Ah non, c'est vraiment celui qui est tout en bas. Merde. Attends, il n'y avait pas pas de trophée. Ah, voilà, tiens. Hop. Est-ce qu'il n'y en a pas un supplémentaire? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien? Bon, bah, je crois qu'on a récolté tous les secrets. Ici, donc là, c'est ce qu'on a trouvé. Tac, tac, tac. Ah, bah ouais, ça fait popper là. Merde! Ça, on progresse assez rapidement. Ça arrive dans le dos. J'ai plus beaucoup de roquettes là. Ah là, ils sont loin. Ouais, vas-y, j'avance. Oh là là. Oh, j'ai fait peut-être l'erreur. Oh la boulette. Allez, viens vite, vite, vite. Alors, là, je suis tendu, là. Ça se sent pas, mais je suis tendax. Oh, il me faut des mumunes. Oh là là. Oh non! Putain, faut faire tellement attention où sont les œufs en plus. Oh! T'as pile le drone, il va revenir. Eh bah ouais. Oh là là là. C'était pour ma pomme. Rien ici. Bon. Non, c'est bon, c'est juste devant.
Wow! J'ai tellement peur de me mouvoir dans cet endroit là. Oh! Allez! Allez! Faut tout le temps sécuriser sa zone. Pas de neuf? Pas de neuf dans le coin? Vous êtes sûr? Je préfère que ça soit lui plutôt que moi. Hein. Oh la vache. Putain, je sais pas où ça va venir en plus. Bon, tant pis. En l'absence d'informations. Hop. Touche pas à tourelle, toi. Peut-être peut-être sûr, ça va venir des soupirails là. Hop. Je vais protéger au moins cette allée-là. Attends, ça vient d'où là? Bon, tant pis, c'est vraiment de trop loin. Eh bien, c'est parti! Je crois qu'on a tout mis. Oh, ma tourelle est déjà mal en point. Oh, vu! Oh, c'est pas bon ça! Oh, y'en a un deuxième! Oh non! Chou cucu!
C'est bon. Allez, allez! Ouais, en difficulté, viens là! Quel joli tir contrôlé! Comment ça, cible prioritaire? Comment ça, cible prioritaire? Elles sont toutes prioritaires, elles sont sur mes fesses! C'est bon, on reprend un peu la main? Bah t'es où mon coco? Non bah c'est bon. Bah let's go, on a perdu un petit bot, bah ça va être la cata. Hein, oh là 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 là. Ah bah ouais. Bah ouais! Ça serait pas marrant sinon! Ah! Ah! Oh là là, je fais du surplace! Faut que je me magne! Allez, sauve-toi! Sauve-toi, petit Marines! C'est parti! Oh là là, c'est tellement exigu! Pas que tu meurs, toi! Pas d'œuf? Ah, si, y a des œufs en bas. Et vite! Vite! Oh merde! Je suis dans la capta! T'as tous ces petits œufs, ils m'empêchent de progresser assez vite, hein. Bah oui, une autre vague, ça serait pas marrant sinon. Oh!
Je vais pas me faire avoir deux fois. Hein. Hop. Ça c'est bon. Une autre plaque. Ouah. Préparez-vous au combat. Ah non. Je veux pas me préparer au combat! Il y en a un qui m'attend là-bas, là. Attends, t'es où? Oh! Eh hey, bingo! Fais toujours gaffe aux petits neuneux. Oh, ça peut tellement bien se camoufler là-dedans, les œufs. Oh là là, là c'est vraiment le rush final là. Balle incendiaire, grille cryogénique. Ça va être la cata. J'ai rien en plus pour me couvrir. Va falloir que je tienne la zone ici. Oh, j'ai pas envie de mourir là en plus. Oh. Ah, ils sont où? Oh. Allez! Allez! Oh là là! Et zut! Ça sentait tellement la fin de mission. Oh! Bon, bah, je crois que le démolisseur, j'étais pas mal. Je commence à connaître un peu la zone. Allez, c'est reparti. Attends, c'est quoi les opportunités tactiques? Ouais, ouais, ça, je m'en fous. Hop. 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 Allez, souhaitez-moi bonne chance, c'est reparti! Ce coup-ci, on va la faire peut-être un peu plus vite.
Oh! Oh là là, se met pas devant! Ah, c'est balayé. Donc là, c'est bon, c'est là où on avait trouvé le premier trophée tout à l'heure. C'est parti. Beaucoup de couloirs quand même très linéaires. Allez, ça dégage, ça dégage! Attends, il me faut les mumunes là! Alors! Ça c'est bon! Ouah! Je t'avais pas vu toi! Oh là là, je fais trop mal au corps à corps. Je suis une bite. Oh là là, mais il y en a tellement. Eh ben enfin! Allez! Ce petit lance-roquette des familles, il fait zizir! Ah non! Oh là là! Putain, elle m'a poursuivi tout le long, mais c'est horrible! Allez, c'est bon, on avance. Et dans le cul, Lulu! C'est bon! C'est bon, personne à gauche, personne à droite.
Allez, reste loin. Oh là là, le tir allié, faut faire gaffe. Bah ça fait du bien, hop, quand ils font les petits dodos. Ça, ça sera bien pour la pour le petit côté final. Oh. Ça c'est bon. Allez, on perd pas de vie, on perd pas de temps. Mmh. Ouh, j'ai envie de le buter lui. Beta porte bien son nom. Allez, let's go, run, 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 tout en bas. Il va arriver par où? Oh là là, je me fais trop mal avec ce genre d'arme. Hein. Non, c'est bon. Hop. Ou les petits acidulés. Ouais, mes munitions elles sont bien faibles. J'ai pas revu des œufs là. Non, c'est bon. Eh ben écoutez, mon cher Léo, merci de votre passage. Souhaitez-moi bonne chance. Je réussirai la prochaine fois. A chaque fois, c'est toujours au final, de toute façon, quand tu découvres une map. Oh! En plus, je suis légèrement tendu, quoi. Toujours peur des œufs, c'est ce qui me fait le plus peur dans le jeu, les œufs. C'est pas les gros aliens, c'est les œufs. Eh, hey, salut Asgard! Eh ben écoute, on est au dernier chapitre, j'ai fini la mission 1. Et là, je viens de lancer une game tout à l'heure. Là, j'étais au final quoi, de la mission 2. J'ai perdu au crescendo. Là, j'avais perdu un de mes bots. Et il y en avait vraiment trop. Quoi. J'avais trop sur la gueule. J'avais un drone. Ça popait de partout. Plus un alien predator.
Franchement, la mission 2, elle est clairement plus facile que la 1, hein. T'as que des couloirs et tout, c'est vraiment easy, hein. Je pense qu'après ça, ça sera peut-être le genre de map qui sera un peu plus salé avec les modificateurs. C'est vrai que maintenant, quand tu sais où sont un peu les zones avec les œufs, tu fais gaffe. Dur, dur, ah oui. Bah, le jeu, il est pensé exprès, de toute façon, hein. C'est toujours pour te la mettre un petit peu... genre, tu perds une fois, tu vois, avant de pouvoir recommencer. Ah oui. Oh! Il reste un derrière? Mais oui, viens là, mon coco. Oh, il voulait jouer un petit peu. Oh, petit trophée ici. J'ai eu le temps de le tester un petit peu là, le petit pistolet que tu m'as dit, c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Franchement, il fait penser à une version améliorée, le Glock Tico que t'as, quoi. Le P95, je sais plus quoi, là. Avec deux fois plus de balles, pas beaucoup de recul, il est assez précis. Franchement, je pense que pour le technicien, je lui laisserai quand même le Magnum, parce que pour moi, pouvoir tirer à distance, c'est... je fais vraiment beaucoup plus mal à distance. Mais c'est vrai qu'avec d'autres classes, je dirais pas non, quoi. Paye pas de mine, mais... C'est pas celui que je préfère, mais il est pas nul en soi. Dur, dur, tu verras. Ouais. Mais tu sais que j'en ai déjà testé quelques-unes, hein, des cartes de modificateurs, hein. C'est super marrant, j'aime beaucoup, hein. Bon, par contre, comme j'étais tout seul, bah ça en a, y en a qu'une, mais c'est vrai que quand tu dois jouer avec 3. Oh! Je trouve que ça fait vraiment du salé, hein. Oh! En fait, ce qui est chiant, les œufs, c'est plutôt bien pensé, c'est que c'est vraiment un côté ralentisseur, quoi. Ça t'oblige à vraiment nettoyer la zone. Du temps. Et merde. Putain, ça, j'ai du mal, hein, avec cette arme. Je l'adore, hein, le petit lance-roquette 3 grenades, mais putain. Le corps à corps, j'ai... Ah voilà, j'ai du mal encore à gérer le rayon d'explosion. Bien joué les bots. Ah, c'est dégueulasse quand ça grouille sur le sol. Les cartes, il y en a qu'une qui est choisie. Ouais, mais si t'as 3 joueurs, t'as pas 3 cartes étoiles. Hop. Alors, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais eu. Oh! Faut pas être tranquille, hein. T'as, par contre, ils ont plus beaucoup de vie, les autres, là. Ça me fait un peu peur, hein. Je sais pas si j'en ai pas encore un qui va passer à la trappe, là. Un de mes bots. En plus, tout à l'heure, je sais pas d'où ça venait. J'avais jonché une mine, là. Là, j'ai plus qu'une tourelle, là. Non. Attends, ma tourelle... Oh! Touche pas, tourelle! Oh merde! Oh le gros! Tu viens où? Eh
Allez, reviens dans la zone. Reviens ici. Oh là 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 là. J'ai pas avoir le temps. Ah, j'ai pas avoir le temps. Et c'est bon, toi t'es mort. Les autres. Allez, venez dans la zone cryo, les copains. Attends, est-ce que j'ai le temps de reprendre des balles? Vite. Évidemment, hein, ça s'annule dès que j'en ai vraiment besoin. Oh, j'en ai vu à gauche. Oh, aïe, 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 aïe. T'as, j'ai bien fait de pimper le rechargement sur cette arme, hein. Un guerrier. Oh. Allez, ça dégage. À moins qu'il y ait une mauvaise synchronisation, là. Je sais pas si, quand il parlait du guerrier, c'était le... la reine prédatrice. Non, attends, il peut en avoir trois, mais juste une seule est choisie au hasard dans le jeu. D'accord. Ah ouais, donc ça sert à rien, vraiment, de mettre les trois. Ah ouais, quand tu joues en ligne, du coup, c'est chacun propose sa carte, mais... il n'y en a qu'une seule qui est choisie au hasard parmi les trois proposées. C'est bon, le gâchis. Bon allez, un petit bisou magique sur la fesse gauche. Et on se sauve vite vite, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir une zorde sur les fesses avant de repasser la porte. Bah tiens. L'avais-je dit ou l'avais-je pas dit? Oh oh. Eh, reviens bêta. Ouh. Ah non, non. Ah mais tout à l'heure j'en avais quand même un peu plus, hein, des aliens sur le coin des fesses là. Comme quoi j'étais vraiment lent tout à l'heure, hein. Wow, 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 wow. Ah merde! Attends, j'avais vu des œufs là. Allez, c'est bon, on se tire! Vite, vite, vite! Ah oui, je sais qu'ils sont derrière! Allez, là normalement c'est bon. Je crois qu'il y a juste... ah ouais, il y a plein d'œufs dans la zone là. Oh là 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 là.
Putain, c'est tellement dur de pas faire de tir allié, c'est horrible, hein. Putain, puis surtout que l'une de mes deux armes, c'est un lance-roquette, hein. Oh là là, mais quelle naze je suis! Mais je me fais plus de dégâts avec ma propre arme que les aliens, hein. C'est un truc de fou! Oh, j'aime pas ça. Ah, voilà, ça y est. Bah, ça va, on arrive au final là. J'ai mes deux potes, ça devrait aller. Les mumunes. Ouais, on va mettre hop, petite mini ici. C'est chiant parce que t'as pas beaucoup de terrain ici. Et j'aimerais mettre une sentinelle, voilà, qui va me couvrir là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Grille cryogénique, balle incendiaire. Allez, là, ça va être une maigre défense, mais ça sera toujours ça de prix. On va pas trop abuser des tourelles. Faut quand même qu'il y ait un peu de skill, un peu de sel dans le jeu. Et c'est parti! C'est vrai que t'as pas besoin de viser là avec le lance-roquette là, hein. Tu t'en fous, hein. Ouah. Oh, c'est vénère quand même, hein. Oh là là. Wouhouhouhouhou. Désolé, les tirailliers. Vite! Oh non! Ah, je vais pas avoir le temps là. Allez, vite! Vite! Bah, finalement, je crois que c'est l'arme qui a tout fait, hein. C'est vraiment le lance-roquette, hein. C'est l'arme qui a tout fait, c'est même pas moi. Ah là, c'est pas le pire en plus, hein, il y en a encore derrière. Oh là 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 là. Ah ouais, la zone cryo là, elle est vraiment vénère, hein. Oh, oh là 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 là, tout ce qu'il y a. Check fire.
Ah non! Allez! Toi d'abord, c'est bon. Oh là 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 là, mais il est tellement énorme, il prend tout le couloir là. Ah, pas moi! Mais vite, vite, vite! Sans l'équipe bleue, nous allons prendre les devants de cette opération. Ok, et bah ça va être nous de sauver la planète. C'est même pas la fin! Si? Non? Y'a rien? Ils vont pas me faire popper un autre alien de fou là? Ah, j'ai eu peur. Vous mettrez le cœur dans la boucle de forçage pour reconnaître une surcharge? Ok, on va tout faire poter! C'est une nouvelle arme que j'ai gagnée? Cool! Ouh, une étoile carrément. Oh, tu m'étonnes, j'ai tellement utilisé le lance-roquette. Les xénos ont liquidé toutes les squads bleues. Leur mission nous revient. Vous irez au cœur de la ruche pour installer de quoi faire sauter la raffinerie. Cela tuera la reine xénomorphe, toute sa ruche. Et vous, si vous ne dégagez pas assez vite. On a l'habitude de ce genre de mission. Est-ce que ça va être la fin? Merci Asgard. Ben, je dois avouer que là, j'aurais pris une autre classe que démolisseur. Je pense que je l'aurais pas fait quoi. Et elle est vraiment vénère hein, la fin. Ça paraît pas. Hein. Là, c'est vraiment en mode intense. Ce qui fait que c'est juste dur. Mais j'imagine en difficulté supérieure. Finalement, tu vois, le fait que ça soit facile dans tous les couloirs, c'est vraiment compensé avec un final où l'intensité est vraiment extrême. Hein. Et ça me fait chier parce que tu vois en plus les démolisseurs et tout ça, j'ai enlevé toutes les cartes étoiles là, les power-up qui réduisaient les cooldowns. Là je suis vraiment en mode cooldown d'origine, tu vois, là je crois que c'est 30 secondes. Et ce qui fait que c'est pas plus mal quoi, hein. Je me suis dit bon allez, on va pas être trop dépendant d'avoir des roquettes toutes les 10 secondes. Mais c'est vrai que tu le sens ça, je trouve que ça fait quand même un genre d'équilibre qui est assez appréciable, faut les utiliser au bon moment. Et 30 secondes, ça paraît pas, bah, dans une horde, ça va vite. Mais tout au long de l'aventure, ça. Ça le fait quand même, quoi. Surtout que t'as les petites grenades assommantes à côté. Faut bien gérer le truc, c'est largement faisable. Oh là là. Déjà? Ah oui? Ah oui? Non, je m'en vais pas le goûter. Ouh, j'aime ça quoi. Mais regarde. Direct, t'as fait 10 pas, t'as déjà un soldat sur les fesses. Ah, j'aime quand on me parle comme ça quoi. Je vais reprendre le petit gun parce qu'à mon avis, les balles, ça va être précieux. J'en avoir vraiment besoin au moment où j'en aurai plus. Faut faire gaffe à tout. J'espère qu'ils vont pas nous refoutre des synthétiques dans la face. Hein. Parce que les œufs, les aliens, les synthétiques. Ah! Oh là là là. Oh là 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 là. J'ai vu des petits œufs. Allez, bye bye là-haut.
Allez, flanc gauche. Oh, et saleté. Mais oui, ça vient au plafond, je disais ça vient d'où? Vu. Voilà, je perds beaucoup de balles. Oh, il y a des œufs en plus là-bas. Faut que je fasse gaffe là où je tire. Oh, Spitter! Ah merde! Allez, là-dedans. Voilà. Bah, c'était quand même très intense, hein. Allez, venez par là, les cocos. Attends, par contre, ce que je voudrais voir, c'est surtout, des fois, les petits secrets. Parce que les développeurs, ils ont l'art de les mettre de façon très sournoise dans le jeu. Ce qui est chiant en plus, c'est que j'ai pas le temps d'attendre. Bah ouais, évidemment. Des fois, ils les mettent juste en évidence et juste une porte plus loin et tout par rapport à l'objectif linéaire du jeu. Des fois, faut gratouiller un petit peu. Oh ! Ah, vu ! Ah bah tiens, qui c'est qui est là? Coucou. Ah, il y a encore des œufs. T'as les roquettes, ouais, faut que je fasse gaffe parce qu'elles sont utiles mais ça part très vite. Oh, 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 j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça. Ah là là. Ah merde, j'aime pas ça là. Non. Non. Oh, il y a des œufs partout. Oh, préparez-vous au combat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bah ouais, ouais. Plus je vais être lent, plus ça va se retourner contre moi. Oh là 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 là. Oh, la petite éclaboussure. Et vite. Attends, bah il y a des balles là. Oh là là là. Allez, ça dégage. C'est comme ça qu'on va faire le ménage ici. Oh, vu. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est tellement bien d'être à côté d'une boîte de munitions. Tu t'en bats les couilles de lancer des roquettes. Allez. Bon. Monsieur Asgard qui se rigole derrière son écran, qui se trémousse. Qui va se dire, attends, il sait pas ce qui va l'attendre, le petit Gawar. Mais s'il savait, il appuierait pas sur l'interrupteur. Il placerait des tourelles là, des mini-ci et tout. Ok, attends, là y'a rien.
Attends, là, je crois que c'est là d'où je viens. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tourelle. Je pense que ça va le faire, hein. Faudra juste que je vérifie mon flanc droit. Oh, un soldat. Oh merde! Reste bien devant toi, bêta, hein, Alpha. Oh là, mais qu'est-ce que tu veux faire des roquettes là-dedans? Ouh, il va lui faire son casse-croûte! Allez, lâche! C'est bon! Allez, les petits qui viennent là, le menu frottin. Eh, c'est le même jeu! Ben oui, derrière moi, mais ils sont partout! Il y a une grosse bite! Ah, mais là, j'en ai en plus, hein, elle est. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion. C'est que la première fois que tu les rencontres, là, ces genres d'Alien Predator, là, j'ai l'impression que c'est vraiment en plus, c'est pas les mêmes qu'au tout début dans le vaisseau prétorien. Là, c'est vraiment en plus des sortes de reines Predator, quoi. Ces genres d'aliens mutants. C'est pas le Triceratops. Parce que là, on les voit, ils se déplacent de façon un peu bipède. Les autres, c'est vraiment des quadripèdes. Hop. Y'a rien là-bas? Non, c'est bon, j'ai pas le temps d'aller chercher. Ah, que coucou! Mais oui, je vous vois! Mais désolé, là, c'est le dernier chapitre, là. Non, ils sont derrière moi! Ouvre! Ouvre la porte! Ouvre! Ils sont où? Ah! Attends, je vais reprendre des balles. Là, le moindre chargeur compte. Allez, on file! Vous n'aurez pas mes balles, les aliens! Non, vous n'aurez pas mes chargeurs et mes roquettes. Vous aurez que le Glock 10 balles. C'est la garde prétorienne, c'est ça. C'est ça, c'est un peu les gardes du corps, les soldats d'élite. Oh! Bah déjà que n'empêche les quadripèdes quand ils ont le blindage là, les chargeurs de Triceratops sont assez vénères. Oh, j'espère qu'il y aura pas des œufs. Oh, je déteste. T'es en plus tu sens là. Ah bah tiens. Allez, par ici, messieurs! Ah, ah oui, ils viennent de derrière! Oh là là, oh là là là! Ah, faut que je m'échappe de là! Oh, il y a des œufs! Oh, c'est bon, c'est sécurisé au moins ici! Bah, donne-moi donc de tir le bot. J'aime pas trop faire du tir allié, toi, même avec cette arme, même si elle est bien, quoi. C'est toujours, même si c'est des bots, j'essaie toujours de prendre l'habitude. Le début, c'est toujours tout simple. Rien à voir avec les prédateurs. Non, mais quand je dis prédateurs, c'est pas les prédateurs de la licence, mais je me comprends, tu vois, ils se font un peu élite prétorienne, ils font un peu. Triceratops, ils font un peu je vais te casser la gueule et t'as pas le droit de parler quoi. Oh oh. Mais en effet, c'est toujours très simple au début. Oh, je déteste les œufs. Attends, hop, petit ménage. Voilà.
Ah là là, ça crie en plus. C'est ce petit bruit visqueux là. Oh! Ah, les bots, ils ont l'art de se mettre devant toi! Ouh, combien de fois j'ai envie de lui shooter dans les jambes, celui-là! Et c'est toujours bêta, hein! Alpha, il est sage! Bêta, hein, il. Il en fait qu'à sa tête, bêta! Eh, mais c'est moi ou. What the fuck? Ces araignées qui sortent du plafond, là! Oh! Bêta! Ou le vilain garnement? Bah tiens, hein, tu les mérites là tes coups. Hein. Une petite léchouille. Non, ils sont. Je sais qu'ils sont très amicaux les petites araignées là, mais c'est pas mon genre. Surtout qu'en plus, ils ont bien fait au niveau de l'IA. C'est que quand tu cours, ils se déplacent. Ils ont une façon de courir en même temps que toi, là. Ils ont calculé l'inertie du joueur. C'est vraiment bien fait. Tu vois, c'est exactement ce genre de choses que je déteste. Tu te retournes, t'as le petit screamer, t'as le machin. Non! Ah, bêta. Oh, t'es moche et t'es con, mais on va te soigner quand même. Ah bah c'est quand même des animaux hein, donc ils ont l'intelligence animale. Hein. D'ailleurs, moi je trouve que les aliens, ils sont pas si oufissimes que ça. Hein, je parle des normaux. Hein, franchement, ils représentent pas vraiment une vraie menace. Hein. Wow! Je les trouve quand même, ils sont assez lents. Hein. Bon là, je suis qu'en intense, je peux me la péter, hein, mais tu vois, même quand ils tapent et tout, ils ont vraiment le temps de te. Tu vois, genre le drone, lui, ça va, ça, il est assez vénère. Mais les normaux, je trouve qu'ils sont. Ils sont pas au niveau. Ils me font pas flipper, quoi. Ils sont nombreux, certes, mais. Mis à part ça. Le nombre ne fait pas la qualité. Attends, viens là. Eh, viens là, Alpha. Non, j'ai bien un fils ici. Tiens, tu vois, c'est ceux-là que je te parle, là. Ceux-là, tu les vois, ils sont à quatre pattes. Ouah! Oh là là là, oh le coup de boule. Oh, il m'a fait une Zidane. Oh, il y en a qui arrivent en plus derrière. Il mourut? Attends, il y a encore des balles? Ah oui. Tu changeras peut-être d'avis en étant swarmé en cauchemar. Peut-être. Bah c'est ça que je me suis toujours posé comme question, c'est de savoir en fait quand tu changes de difficulté, est-ce que c'est juste t'as moins de balles, moins de vie et ce qui rend le jeu plus dur, ou est-ce que l'intelligence du xénomorphe est améliorée? En plus d'avoir moins de balles, moins de vie et plus de dégâts pour les aliens. Telle est la question. Parce que tu vois la difficulté c'est toujours par rapport à une moyenne. Attends, c'est par où la sortie là? Attends, je crois que c'est par là-bas, j'aimerais juste faire gaffe aux œufs. Ben oui, je sais très bien que là je fais le fanfaron, mais après je. J'irai me faire dans les couches, j'irai encore plus pleurer comme une petite fille. Laisse-moi frimer un petit peu. Regarde! Trop facile! Il était tout seul, sans défense et désarmé.
Ah, j'ai horreur quand ça pop comme ça devant toi. Ah putain, en plus, ça, tu sens le truc là avec le compte à rebours? Oh là là, oh là là là. Je sens qu'il va falloir que je revienne à la case départ. Genre, j'aurai trop d'aliens sur mon chemin. Des prédatrices, des rennes, des œufs. Il va falloir en plus que je fasse ça avant que tout explose avec un chrono. Bon. Oh, mais c'est vilain ça! Mais dis donc, c'est pas très convivial. Mais laissez-moi radoter! Et puis, attends, je suis désolé, hier j'ai pas pu tout lire. Des fois, je suis pris dans la sauce. Hop. Allez, c'est parti! On appuie sur le bouton rouge. Réparer l'ascenseur. Oui. C'est tout? Bah, je m'attendais à ce qu'il y ait un chrono, que tout explose. Je suis déçu. Oh, je suis déçu. Oh! On sent qu'on approche de la fin là, avec les œufs là. Hein. Ça sent, tu sais, la reine. Ça sent la reine qui est pas loin là. Il y a beaucoup d'œufs. Hein. Comme dans une petite fourmilière. Non! Faut pas traîner. On sait que les œufs, ça a pour but de ralentir. Rien ici. Oh là là, ah là, il se déplace vite. Tu vois, ça, c'est un peu du mouvement d'alien, je trouve. Tu vois, le côté un peu gauche-droite que j'aime bien. C'est pas on court tout droit de façon très linéaire. Allez, vu! Attendez, je vous reprends après. Attends, c'est quoi là? Tac, tac, tac. Ouais, câlin! Câlin! C'est que là, ce qui me fait peur, c'est que j'arrive bientôt à la fin du niveau et je compte mes balles, quoi. Je compte mes balles. Ah là 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 là. Ah. Allez, encore des œufs. Oh, même pas. Oh, je suis dégoûté. Ça marche même pas. Ah non. Attends, faut que je me fasse de la place pour bouger. Toi, lâche-le! Oh, il y en a un qui arrive! Oh, c'est vénère! Oh là là! Il y a encore des emmerdes qui arrivent! C'est bon? Y a plus rien? Oh! Ah voilà, ouais, le câlin, il était vénère, là. Hein. J'ai affreusement besoin de balles, là. Tu vois, comme ça, je te dis toujours qu'il faut garder des munitions un peu en cas de coup dur, là.
Et bah là, c'était le parfait exemple. Parce que là, affronter un soldat plus une prédatrice, là, je pense qu'avec le petit Glock 10 balles, là, tu te fais dessus, quoi. Hein. Et encore, tu vois, là, franchement, je suis avec une classe avec des lance-roquettes. Oh là 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 là, ça me ralentit ses œufs. Et que ne serait-ce qu'une classe normale, ça me fait un peu peur quand même. Hein. T'as challenge de faire une map avec le piou-piou. Eh, bah, je pense pas que ça sera le chapitre 4 que je ferai au piou-piou. Hein. Enfin, je le ferai pas tout seul. Hein. Je ferai pas avec les deux bottes. Hein. Ok, l'ascenseur vous mènera au... Hein, vous serez défoncé la porte. Ok, donc faut que je m'enfonce au plus bas. Et mon évacuation sera au niveau 5. Ah! Oh, encore des œufs. Ah, oh, ces bruits dégueulasses. Attends, c'est moi ou je suis ralenti là? Analysons la zone. Oh, s'ils te mettent deux trousses de soins, sortez par un autre chemin. Attends. J'aime pas ça. Ouh, deux grilles cryogéniques. Donc à mon avis la sortie elle va être par là-bas. Ah, oh, ça va venir de là. Oh, j'ai que deux grilles cryo. Et tu sais quoi? Allez, ça va être Noël. On va tout mettre là. Je vais garder mes deux gris cryo pour la fin. Hop, dans l'escalier. Et à mon avis, le plus gros, ça va arriver devant. Alpha, viens là, un petit bisou magique. Putain, ils mettent deux trousses de soins, je sais que ça va être intense. Je suis en train de pleurer là. Ouais, je sors le popcorn. Ouais, ouais, tu peux. Je vais en chier des bulles carrées. Et... je vais mettre une tourelle ici. Juste si jamais... attends. Ouais, il y a des trappes là. Faudra que je fasse gaffe. En plus, je sais pas d'où ça va popper. Ah. Bon, je peux pas tout mettre, hein. Je vais pas tout mettre. Allez, c'est le moment rush final. Une prière avant de commencer. Tout ceci me dit rien qui vaille. Ah bah évidemment, le seul endroit où j'ai pas mis de tourelle, c'est là où ça passe. Hein. Oh, ça arrive, vénère! Ma tourelle! Oh là là, je suis débordé de partout! Enfin, j'ai un bruit que j'aime pas là. Oh, c'est trop bien que ça tanque. Allez.
10 secondes. Prends les balles. Ouh. Attends. Désactiver les disjoncteurs. Comment ça là? Comment ça? Il y en a encore. Système de refroidissement sodium liquide a été là. Non! Je pensais que c'était fini! Ça va être encore la merde! Oh non! Oh là 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 là! Mais je sais même pas où je tire, mais je tire! C'est parti pour un deuxième soldat. Oh là 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 là. Et viens là, viens là. Oh là là là, je suis... Oh là là, c'est vénère. Ah, ça explose, je sais pas où... Je sais pas si je démembre, mais je démembre, hein. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Oh là là là, ça sent le caca! Allez, pousse-toi! Là, y a un petit spitter là, hop! Ah ouais, là je suis désolé, les bots là ils m'ont pas laissé le choix là. Hein. Désactiver les sécurités. Oh là 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 là, bêta il est dans la sauce. Je sens qu'il y a un troisième round, je vais pas me relever le troisième. Hein. Ça sent la fin! Attends, c'est moi ou j'ai vu un autre soldat? Oh là 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 là! Ah non! Vite! Vite! Ouah! Attends, le spitter, faut que je me le fasse. Oh non! Non! Oh la vache! Putain, je pensais qu'il allait me permettre de temporiser. Oh, c'est trop dur. Ah, oh, puis 3 rounds, ouais, c'était le dernier. Ah, la boulette, ouais. Bah, tu sais quoi, je vais changer de classe.
Là, le démolisseur, je fais trop de tirailliers. Ah, oh, je suis dégoûté, quoi. Il a tout croqué, Mjo. Mais mon Dieu, pourquoi j'ai pas utilisé le drone? Le drone! Oh, et là, regarde, ils veulent tous me dire que je suis un gros con, que va. Eh, les bots! Ah, oh, putain de merde. Ah. Alors tu défonces les bottes! Phalange. T'as le problème. Ouais, quoique, est-ce que j'utilise le crameur? Au niveau dégâts, faut que je regarde le fusil à impulsion. Oh, je vais garder le crameur, tiens. Allez, on y va à poil. Attends. Oh, mitrailleuse à fléchette. Bah, non, je vais garder le pompe. Eh, tu sais quoi, allez. Allez, on va finir en beauté. Fusil à impulsion classique. L'arme de base. Hop. De toute beauté. Le drone, c'est la vie. Je confirme. J'ai mis une balle alpha. Comment ça, j'ai mis une balle alpha? Oh putain, les œufs! Mais non, mais c'est vrai qu'il y en a de partout des œufs. Oh! Oh, ça va casser les couilles, ça va ralentir de ouf! Oh là 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 là, faut tout que je refasse! Ah, puis je vais pas être précis à taper de loin là, avec mon arme là. Ah, et puis y a déjà un soldat ici là. Ah oui, non, c'est vrai que je suis avec le fusil à impulsion. Attends, surcadençage et j'ai de la thermite. C'est bizarre! Ah, j'ai pas de soldats là! Oh, attention au plafond! Ah merde! Oh le salaud! Ah là 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 là, ah je perds des dégâts inutilement. Wouf, pas besoin de consommables, hein. On va le faire à l'ancienne. Ça va donner du sel. Ouah! On va montrer qu'on peut gagner cette map juste avec du skill. Hop, faut que je me rattrape quand même. Il y en avait pas beaucoup du skill tout à l'heure. On va garder un peu de mumune. Deuxième fournée de popcorn. Mais je sais pas pourquoi ce pompe, je me sens vraiment à l'aise avec lui, je le trouve vraiment bien. Hein. Surtout que la petite capacité de surcadençage, on croirait presque que les développeurs, ils ont pensé une capacité pour les armes de base de l'artilleur.
Bon, ça va, ils sont loin derrière. T'as, par contre, là, ce qui est chiant, je vais pas pouvoir dégommer tout au lance-flamme, là. Attends. Par ici, messieurs. Ah, mais attends, il y a des balles, là. Je peux me faire plaisir. Allez! Je me fais chier avec le petit Glock. Mais non! On fait une petite omelette d'alien, là. Et on ne rigole pas, s'il vous plaît. J'ai un petit cœur comme tout le monde, il est sensible, c'est tout. N'importe qui aurait pu se faire surprendre. Aïe 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 aïe. Ah ouais, franchement, les deux pompes que je préfère, c'est celui-là. Et le pompe de coups. Oh, les araignées! Oh, oh non! Ah, les saloperies! Oh là 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 là! Il y en a encore! Vu! Oh, oh, j'ai horreur de ça quand ça sort des murs comme ça! Oh. Je sais pas si c'est les aliens qui les déclenchent. Non, je crois que ça sort vraiment des murs. Hein. Oh, il y avait encore des œufs là. Allez, c'est bon, c'est sécurisé, on va avancer. Attends, la Medvev fait sympa, c'était pas trop swarmé, sinon c'est la galère. Allez, c'est parti! Le début des emmerdes! Ah, faut que je m'occupe des petits d'abord. Viens, viens, viens me choper. Voilà. Allez, on se sauve vite, vite, vite. Vite. Parce que je sais qu'il y a... Ah bah tu vois, t'as même pas le temps de te sauver. On va dire que je suis radin, mais je suis à 3 balles près ici. Hein. Hop. Oh non! Oh, je vais pas avoir le temps. Oh là là là, ce qui dégueule! Évidemment, le bot il peut pas ouvrir la porte lui, hein. Allez, vite, 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 vite! Ah oui, deuxième fournée, forcément. Allez, par ici les ballonnettes. Let's go. Oh. Bon bah tant pis, je vais pas rechercher là. Hein. À chaque fois que tu vas te servir en balle, ils te mettent une nouvelle horde. Attends, viens là le pompe.
Oh, oh, vu. Vu. Il en reste encore une. Quelle saloperie ces trucs là. Oh, j'en ai vu une. Oh là là, non! T'as, je crois que tu vas devoir sortir le popcorn avant même que j'arrive au final, hein. Oh là 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 là. T'as, je me rappelle, il y avait encore en plus toutes les soldats là avec les prédatrices, les reines prédatrices là. On les a même pas encore passées, ça, hein. Y'a rien là-bas. Attends, ouais. J'aime pas avoir des ennemis aux fesses là. C'est bon. On est vu un là-bas. Moi je l'ai pas vu venir. Ah putain. Puis ça grouille au sol. Mais en plus moi j'ai le, je sais pas, j'ai la mauvaise habitude, je regarde souvent le, les murs et le plafond. J'ai des fois j'ai pas tendance à voir ce qu'il y a sur le sol. Mais vous les voyez, vous avez l'habitude là, ces petites masses gélatineuses roses dégueulasses. Oh oh, on se rappelle de ce que c'est ici. C'est le début des emmerdes. Ah non, dans la rue c'est pareil. Dans la rue je regarde que les nuages. Je regarde jamais ce qu'il y a. Ça me pose effectivement quelques problèmes. Je suis toujours obligé d'être accompagné par une petite infirmière et tout. Parce qu'on se prend des panneaux publicitaires, des voitures. C'est pas très pratique dans la vie courante. Non mais justement, je trouve que c'est ce qui fait la particularité d'Alien en plus. Hein. C'est ce côté, faut voir sur les murs, les plafonds, contrairement à des jeux de zombies. Donc des fois, on peut se faire prendre à son propre jeu. Le développeur, il sait que t'as tendance à regarder souvent les murs au plafond, donc il te met des petits rampants au sol, quoi, histoire de te... De te punir, hop! Histoire de te punir quand tu fais pas gaffe partout. Mais c'est marrant ça! Mais ça, c'est un truc, je me suis déjà posé la réflexion, regarde. La première fois que j'ai fait la mission, on avait eu une reine prédatrice. Oh la vache! Y'a là, on avait une reine prédatrice, on a eu des drones, des soldats. J'ai toujours l'impression que la première fois que tu fais une mission, c'est toujours plus dur que quand tu dois la recommencer. Ah bah non, j'ai rien dit.
Trop facile! Tu vois les soldats, on va en faire du petit lait avec ça. C'est dans ma tête? Oui, c'est dans ma tête. Il se passe plein de choses dans ma tête. Alors, on se rappelle de ce que c'était ici. Mais le jeu a tellement l'air plus court, plus facile, maintenant qu'on a plus peur d'avancer, de faire 5-10 mètres comme ça devant là. La première fois, c'est ça? Ah bah tiens, regarde! Coucou! Ah! J'ai rien dit. T'as le karma. Ah, je pensais l'avoir dans le dos et le jeu qui me la met profond. Ah! J'en ai ras le cul. Ah, j'en ai marre. Ah merde. Bon bah je vais aller sur Polly Pocket hein. Toi, je trouve que c'est pareil, c'est pas très punitif, hein. Normalement, dans la licence, tu te prends une araignée, t'es quasiment sûr de crever. Après, j'espère qu'en haute difficulté, t'auras des QTE et genre, faudrait que ça soit un peu fatal, là. Tiens, bah coucou! C'est bon, là, pas d'araignée dans le coin. Oh là là là! Oh là là là! À peur! Mais franchement, les soldats, là, c'est du petit lait, là, hein, je te le dis, hein. Franchement, je crois que j'ai bien pris le... La classe artilleur arrive au bon moment. Hein. Personne? Allez, personne? Ah! Aïe, 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 ça pique! Ah, dans les autres difficultés, ah bah voilà, je trouve que c'est normal, ouais. Ouais, parce que faut au moins que ça te retire une vie, un baroud d'honneur, quoi. Je trouve que c'est le minimum, hein. Si tu te foires, hein. Oh, vu! Voilà, ça... Oh, oh. Oh, oh! Allez, allez, allez! Bon, ils arrivent tous par là, c'est bon. Oh, oh non! Pardon, madame. Pardon de vous déranger. Je me casse. Oh là 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 là. Ah oui, elle, faut pas la vénère. Hein.
telle une femme qui a ses ragnagnas, il faut pas la déranger, tu dis oui madame. Hop. Je vous ramène des fraises tout de suite et des cornichons. Hop. Allez, câlin. Ouais, en intense, c'est Disneyland. Ah bah ouais. Bah j'ai hâte, hein, je te dis, hein, franchement, le... Hop. Attends, y a rien. Pas que je me fasse avoir. Ah, c'est pareil, tu le sens que là les mumunes commencent à faire la gueule. Hein. Ouais, ça va arriver dans le dos, on le sait, allez-y. Un petit cauchemardaise dans la foulée. Mais oui, voilà, c'est si relevé comme ça. Avec le sel de mes larmes en plus. Mais on reconnaît ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tous les bots sont en bonne santé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a que 2 grilles cryogéniques. Et là, là va falloir du skill. Attends, 2 grilles cryogéniques et... Oh, 2 armes de sentinelle. Molto bene. Bah, tu sais quoi? Je vais quand même en mettre une ici comme ça. Et je vais en mettre une ici. Et vu tout ce qui me tombe sur la gueule, je crois que je vais attendre d'avoir la première reine prédatrice avant de mettre ma première cryo. Allez, les popcorn, c'est pour le moment, chers amis. Sortez les cigares cubains, les bouteilles de champomy avec des paillettes d'or, parce que c'est maintenant que je la gagne, celle-là. Pousser comme un caca! Oh, ce timing! Ce timing! Oh, ma tourelle, elle est morte. Oh non! Bon, ça va, on a une tourelle qui a tenu. Pas que j'oublie que j'ai ma petite cryo là. Hein. On a tenu bon. Ah, le pompe il fait le café, ouais. Allez, on fait le plein. Bah, j'ai pas encore assez perdu de vie pour que ça soit intéressant d'utiliser ma petite trousse de soins. Oh, vite! Vite!
Eh, viens là, mon cochon! Voilà, on le protège! Il reste quoi là? Ouah! Allez, prends la pause. Toi, t'es vu? Y'a la bêta. Je pense que tu passeras pas le prochain. Le prochain cap, allez viens, laisse-moi te faire un petit bisou. Voilà. Petit bisou magique. Et là, faut pas que j'oublie. Hop. Qu'il me reste encore des petites cryos. Et je crois que ça va être le moment de les utiliser. J'aime quand on me parle comme ça. Oh, 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 oh. Reste dans la cryo, s'il te plaît. Perfecto. Allez. La surcadençage. Best capacité ever du jeu. Toute confondue. Plus puissante que le lance-roquette. Non, je m'occupe de cela un petit peu. Reste là-dedans, s'il te plaît. Est-ce qu'on va assister à la fin du jeu? C'est-à-dire le code de désactivation? Allez, 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 allez! Sauvons-nous! Wouah! Ah, j'ai pas le temps là. Ah, j'ai pas le temps, je me retourne pas. Ah oui, oui, je m'arrête pas, hein. Je te confirme que je m'arrête pas. Hein. Attends, j'ai des aliens au cul? Des aliens au cul? Vite! Oh là là, oh là là là, en plus faut que je me magne. Oh là 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 là, tu m'as pas vu?
Ah, il n'y a pas de temps de trouver les secrets là. Il n'y a pas de temps de trouver les secrets. Oh! Oh! GG moi! Oh! En plus, je savais pas où fallait aller et tout. Oh, j'ai enfin fini le jeu! La petite larmichette! Enfin! Oh, merci les amis! Ça fait plaisir que vous soyez là pour la victoire! Je sais que ce genre de boss, hein, normalement, soit t'as une arène dédiée pour l'affronter, soit tu te sauves en courant. Avec un minimum de QI, on s'est barré. Mais merci. L'artilleur. Ah, la meilleure classe du jeu. Mais franchement, la base. La base, sans rien. Mais voyez, mon cher Asgard, pas besoin de tourelles comme ça et tout. Du talent. Des talents, mon petit. Des talents. Bon, allez, on recommence toute la campagne, mais en mode ultra hardcore héroïque de la mort qui tue, quoi. J'ai tellement vu sortir de l'arène et tourner à gauche vers l'arène. Ah ouais, c'est ça. Oh, franchement, mais ça fait plaisir, quoi. C'est vrai qu'après, je sais pas si c'était... Je pense qu'ils ont bien fait, en fait, parce que si tu dois te taper l'arène à chaque fois la dernière mission, je pense que c'est un peu long et répétitif. Si t'as pas vraiment, on va dire, une campagne dédiée, ça peut vraiment faire chier. Donc là, ouais, une petite escape... En plus, c'est vraiment bien pensé. Hein. Vous avez vu tous les petits œufs qu'il y avait et tout pour bien te ralentir, pour que l'arête te chope. Et à mon avis, elle, t'as pas de QTE, elle te chope, elle te croque la tête. Hein. C'est finito. Hein. Non, franchement, je trouve pas. Je trouve pas qu'on reste sur sa fin. C'est sûr qu'on voudrait avoir une scène un peu comme dans les films où tu prépares un piège, là, il y a tout qui s'effondre sur l'arène. Mais bon, la mission, c'était déjà de faire surchauffer et faire exploser la raffinerie. Je pense qu'elle est morte, hein, quand même, derrière. Je pense qu'elle est morte. Donc, il n'y a pas besoin de crescendo fantasmagorique. Ah! Un peu frustré de pas la combattre. Eh bah, moi, j'ai envie de te dire non. Un peu frustré de pas courir plus vite. J'en ai tellement envie de sortir de l'arène. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que le vrai piège là-dedans, c'est quand faut se barrer, c'est pas de savoir où est la sortie. Tu vois, le truc tout con, moi, je pensais filer tout droit, j'ai vu l'arène, j'ai fait « Oh !» T'as pas d'indicateur d'objectif. Et j'ai vraiment flippé hein, dans le côté, ouais, tu tournes un peu en rond, tu sais pas où doit aller. Là, il y a eu l'instinct de survie, il y a eu l'œil du faucon qui dit, tiens, la petite porte, les petits sous-titres quand la meuf a dit faut se barrer. C'est vrai que dans l'adrénaline, tu pourrais te dire, bah, on se tape l'arène, vas-y, on fait le big boss final, mais je pense que t'as tout simplement pas de temps. Faut sortir très vite. Moi, je voulais la tuer, la combattre, quoi. Non, eh ben, figurez-vous que moi, je sais lire les objectifs, je connais mes propres limites. J'ai vu le chrono qui tournait, et quand tu vois tous les œufs qu'il y a sur ta route, j'ai dit, non, pas le temps de mettre en mode Terminator, Rambo, les effets Hollywood. On s'en bat les steaks, on se sauve! Le simple fait de réparer ça, t'as dit que tu vas devoir revenir ici. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et encore, je pensais, tu vois, qu'il y aurait à avoir un petit crescendo, tu sais, le petit rush final, tu arrives au cinquième niveau. C'est un peu comme dans les Halo où tu dois courir, mais vraiment vénère. Je pensais qu'il y allait avoir une dernière ligne droite après l'ascenseur, tu vois. Avec la reine qui arrive dans ton dos, qui veut te croquer, tout qui explose. Mais là, c'est juste l'ascenseur. Donc, non, bah franchement, cool. Le petit jeu, il est sympa. Un poil court. Franchement, je dirais... Ça manque un cinquième chapitre sans le DLC, je dirais, tu vois. Bon, je l'ai pas payé le cher, le jeu, c'est pas le problème, mais... Ouais, là, on voit que le cinquième chapitre avec le DLC, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau qui te donne vraiment envie, tu sais, on grappille un peu sur le jeu pour te faire PC, pour te faire passer la carte bancaire, quoi, pour te faire chauffer la carte bleue. Mais par contre, comment ça se fait que je peux pas débloquer ça? Attends, débloquer la campagne Fireteam pour déverrouiller. Attends, il faut que je la termine comment là? Mais je viens de la terminer. Je viens de la terminer. Normalement, j'exige qu'on déverrouille ça. Ouh, attends, faudra que je regarde s'il faut pas que je recommence et que je commence en mode hardcore. Pas causer au PNJ.
Ok. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me suis déjà fait avoir une fois. Bon, bah, j'irai causer au PNJ en hors stream. Je vais pas vous infliger ça. Vous avez probablement mieux à faire. Et ben, en tout cas, franchement. Oui, j'ai compris. J'irai voir les PNJ. J'irai voir les. Promis, je me prosterne devant les PNJ. Je vais leur demander: débloquez-moi le mode hardcore, les PNJ! Non, ça promet. Attends, ouais, ok, attends. Vous voulez vraiment que je teste le cauchemardesque? Bah, vous savez quoi? Attendez. Je termine ce stream, je vais couper et je relance aussitôt. Du coup, c'est juste pour moi dans les miniatures YouTube pour que ça fasse. Voilà, là c'est vraiment fin, fin, fin et je recommence. Je vous reprends tout de suite après, les amis. Donc ne bougez pas, je reviens. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont regardé, qui étaient là. Un grand merci à ceux qui regarderont rediffusion. Merci à tous ceux qui m'ont émotionnellement soutenu, c'était pas facile. À tous ceux qui sont pas moqués de moi aussi, avec ces petites araignées qui rampent au sol, là, qui m'ont fait des QTE de malade. Il y a une petite larme d'indignité qui est sortie, je dois avouer. Eh bien, en tout cas, un grand merci d'être passé. On se revoit prochainement. Bisous tout le monde. Passez une bonne journée. Ciao, ciao!